Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 44e épisode de Planet Crafter. Aujourd'hui, on continue de jouer avec les épandeurs d'arbres T2. Allez, c'est parti. Ok. Ok, d'accord. Échantillon de bactéries, écorce d'arbre et engrais et super alliage. Ok. Makes sense. Le T2 ne se pose pas dans l'eau, il peut se poser n'importe où. Donc, allez, on va se prendre une Lyrma. On va faire on va prendre du soufre aussi avec. Hop. Écorce en neige. Je n'en ai pas. Donc tu veux ça et ça et ça. Séquence. Il faudrait que je m'en mette plusieurs des producteurs comme ça. Niveau engrais, ça ira. Engrais T2, j'en ai un paquet. Reposer parce que là du coup ça va être un par un à nouveau. Non, pas ça. Si je peux en prendre une comme ça je l'ai sur moi. Zéolite. Boire. On va aller boire là-bas comme ça on va voir si ça pousse. Ah bah oui ça pousse. Alors, j'ai l'impression que le modèle est le même et qu'il ne fait que grossir. Ça, c'est la version mini du truc. Il était gros une fois adulte. On va aller voir de l'autre côté pour s'en rendre compte. Hop. Pas exactement. Et toi, tu... Terra, ouais. Allez, vise-moi bien. Non, tu me rates là. Donc, il y en a un dans l'eau là-bas, un là-bas derrière, un juste ici. Et un pas loin de l'eau là-bas. Et le dernier. Juste là. Ok. Wow. Dans mon collecteur d'eau de pluie. Ok, parce que du coup.
J'ai plus que la terraformation à booster, donc ça peut être en boostant tout et n'importe quoi. Pression, chaleur, oxygène. Ça pour arriver à 25. Déjà, arriver à 25. On était un peu moins de 10 quand on a démarré aujourd'hui. Donc à force, ça va y aller. Mais... qu'est-ce que je suis venu chercher à manger? Je descendais pour manger. Je me suis dit, tiens, j'ai faim, je mangerai bien. Et ensuite, pour faire l'arbre suivant, il me refaut un mutagène. Est-ce que j'avais ça qui traîne? Parce que là, de toute façon, il me faudra un échantillon de bactéries. Et je prends ça, un souffle. Une cartouche, je refais un mutagène. Ouais, tu as fini. Et du coup, non, c'est une écorce que je voulais. Et tu redémarres le séquençage. Reprends une écorce. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Il manque juste le super alliage. Super alliage qu'il va falloir d'ailleurs aller faire un tour à nouveau. Hop. Qu'est-ce qu'il me fallait pour le super alliage déjà? Je voulais faire un... Je voulais ramener de quoi faire... Là, ça. Donc un super alliage, il y en aura là-bas. Un uranium, un osmium, une poudre explosive. C'est surtout la poudre explosive qui manquait. Un uranium. C'est prêt. Un osmium. C'est prêt. On va passer à l'osmium aussi d'ailleurs. Ça pourrait être pas mal. Ça pousse, ça pousse. Ça serait bien aussi qu'on retrouve des graines spéciales. Ah, si, j'étais venu déjà ici. Oui, j'étais venu ici. Écrasé pour une raison inconnue, je suis le seul survivant. Beaucoup sont morts à la surface. Bla 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 bla. Un truc qui brille là-bas. C'est un cobalt. Super. C'était Steve. Steve est brillant. Faut le savoir. Steve est très brillant. Alors. Déjà. On va te mettre le broyeur là. Comme ça, ce qui n'intéresse pas, on le met dedans.
j'ai réussi à tout vider. J'ai pas besoin de refaire. Hop. Toi, je t'avais oublié. Tu vas à côté. 15, 18. Ouais, je vais pas refaire ici. Mais que 18. Pas besoin de s'embêter. Le soufre, ça allait. C'est l'osmium qu'il faudrait aller voir, peut-être, si on veut continuer de booster la pression, par exemple. Exemple. Donc là, on a une petite forêt de Soleus. Et ici également, si j'ai bien. Oui. Forêt de Soleus aussi. Super, alliage. Good. Uranium, on est encore très large. 9, ça me fait 3 générateurs potentiellement. Sachant que 334,35, ça pourrait être utile d'en mettre un ou deux. Qu'est-ce qu'il fallait avec? Poudre explosive, super alliage. Et l'eau. Poudre explosive. D'ailleurs, il faudrait que j'en refasse un peu. Alliage et 3 bouteilles d'eau. Hop. Un de plus. Insecte, on est 1,25%. Oh là là. Insecte, ça va pas aller vite. Du coup, je voulais reprendre zéolite, échantillon de bactéries, en vrai T2, super alliage et écorce. Échantillon, en vrai T2, donc juste une écorce. Et on est reparti. Où est-ce qu'on va le mettre celui-là? Peut-être là. Ici. Hop. Ça va reverdir un peu. De même là. Aléatus. Et là. Limifolia. Ah non, mais ça se mélange vraiment, donc ça fait.
Et on est pas bien là? Une balade en forêt? Pourquoi est-ce que tu n'en as pas mis La répartition est bizarre. Je trouve. Est-ce qu'on pourrait s'en mettre en plein désert? On devrait pouvoir. Allez. On va relancer une Nirma. Séquence 32. Ça voilà. Ça, je mange une aubergine. Aubergines qui sont toutes matures. Alors je me demande quand même comment ça se fait que mon sol reste vachement sec ici. Alors que j'ai vu d'autres joueurs où c'était bien vert. Est-ce qu'à un moment donné, ça l'a été, je m'en souviens plus. C'est parce que j'ai tout installé au même endroit. Surtout la chaleur. Il est pas et la nature n'aime pas ça. Et vraiment, je me pose la question. Pourquoi chez d'autres, ça fait cette zone-là, elle est toute verte, alors que chez moi, elle est encore bien sèche. Là, pour le coup, si vous avez une idée, je veux bien bien que vous me la partagiez. Est-ce que c'était que j'ai vu des parties moins avancées et qu'ils en étaient qu'à la phase algues que j'ai dépassé depuis très longtemps et que les algues cessent de se développer après la phase algue? Je ne sais pas. Bon, les insectes, ça va pas vite. Toi, t'en as 56%. Algues, ça va à peu près encore. Il faut que je refasse le plein de méthane. What? Ouais. D'accord. Il récolte de l'oxygène maintenant.
Oui, mais... Moi, je veux du méthane, pas de l'oxygène. C'est bizarre, pourquoi il récolte de l'oxygène? J'aurais assez d'oxygène dans l'atmosphère? Quand même. Pas à moi. On va refaire un... On va refaire un rangement là, parce que ça ne va plus. Et on va y mettre... y mettre la flotte. L'oxygène, pardon. Et... Les trophées et le tissu, tiens. Ouais. Sérieusement, je suis perturbé. Là, il me sort du méthane, mais il m'a sorti de l'oxygène. Donc, je dois commencer à avoir de l'oxygène sur en quantité suffisante. Donc, pas en quantité suffisante pour que la quantité d'oxygène sur moi ne diminue pas, mais... C'est en extraire. En même temps avec les arbres, c'est logique. À partir du moment où je plante les arbres, je dois être en mesure d'avoir de l'oxygène de produit. Bon, même les fleurs, hein, techniquement. On va pas se mentir, ça devrait faire de l'oxygène. Ah, super. Encore un. Encore un. Tu as besoin de ça. J'ai oublié. Petite tête, pourquoi tu as oublié? Écorce d'arbre, super alliage, zéolite. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets ça... Mettons que je mette ça au soufre. Ou dans le désert, plutôt. Tiens, ça ferait... Plus logique de vouloir mettre un épandeur d'arbres dans le désert. J'ai une idée, mais tu crains me spoiler. Non, en fait, c'est vraiment par rapport à des... J'ai vu des parties sur... qui sont... où l'indice de terraformation est bien moindre, où toute la zone était verte. Je me demande juste si moi, si la zone n'est pas verte, est-ce que c'est parce que j'ai passé trop vite le stade des algues, ou est-ce qu'il y a autre chose? Sinon... C'est le bazar. Du coup, côté zéolite.
Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais raté, des coffres, des plantes? Non. À part mon coffre qui était bourré de d'aluminium que j'ai déjà en surnombre. De zéolite au passage. Et on va regarder les petits arbres pousser dans le désert. Là-bas, ça a bien poussé. Une heure pour que les arbres poussent en entier, tu dis, Xian? Ouais, c'est... C'est un peu moins. Moi, j'aurais dit un petit peu moins. Ok, osmium. Osmium. Zéolite. Zéolite. Est-ce que j'avais relancé une graine là-haut ou pas? Je sais plus. Non, j'avais pas relancé. Ça serait bien de penser à relancer des graines à chaque fois. Du coup, ça serait bien de prendre une graine pour le faire. Tiens, prends de la pestera pour changer. Et prends une écorce également. Et fais-nous ça. Au passage, on va retourner faire un... une récolte d'algues. Ah, ça dépend peut-être de la pression. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!